femmes dans l'histoire, épisode 3. Cette fois-ci, une femme artiste, la toute première même, au XVIIe siècle. Pourquoi si tard? Réponse tout de suite. Artemisia Gentileschi naît en 1593 à Rome, d'un père lui-même artiste peintre passionné. Seul l'art compte pour son père Orazio. Il est donc comblé de bonheur par sa fille qui se montre extrêmement douée pour la peinture et qui l'assiste dans son travail. Mais pas seulement, elle peint aussi ses propres œuvres, ce qui lui vaut l'admiration sans borne de son père. Artemisia est une peintre tout de suite extrêmement douée. Elle est fille d'un père lui-même peintre et elle habite à Rome au XVIIe siècle, l'âge d'or de l'art baroque où les mécènes sont nombreux et où il est tout à fait possible pour un peintre avec un minimum de talent de vivre de son art. Artemisia a donc absolument tous les éléments qu'il lui faut dans la vie pour démarrer une brillante carrière d'artiste peintre. Tous ? Non ! Artemisia est née avec une tare qui va beaucoup lui compliquer la vie. Elle est née femme. En ce temps-là, une femme ne peut pas être considérée comme artiste. Elle a interdiction d'acheter du matériel de peinture, que ce soit les toiles, les pinceaux ou les pigments. Elle a interdiction de signer ses œuvres, interdiction d'être rémunérée pour son art et interdiction de faire de la sculpture. De surcroît, les sujets qu'une femme est autorisée à peindre sont limités. Une femme n'a le droit de peindre que des natures mortes ou des portraits et elle n'est pas autorisée à assister à des séances de pose nue. Nope. Et un événement tragique va venir bouleverser la vie d'Artemisia. Alors qu'elle est très jeune, l'un des élèves de son père la viole. Artemisia sait très bien que pour une jeune femme, le viol, c'est le déshonneur pour celle qui en est victime. Elle va donc faire ce que toute femme sensée aurait fait à sa place. Elle ne va absolument rien dire. Pendant presque un an, ce même homme va la violer régulièrement dans la maison de son père sans que personne ne s'en rende compte. Et lorsque son père s'en rend compte, il est furieux et il porte plainte contre son jeune élève. Un procès a donc lieu. Mais il faut dire que ce procès est pour le moment mal engagé pour Artemisia. D'une part, en plus d'être née femme, Artemisia est née avec une autre tare. Selon les critères de beauté de l'époque, elle est exceptionnellement belle. Eh oui, une femme extrêmement jolie qui se fait violer pendant presque un an et qui dit rien, c'est forcément un peu suspect. C'est forcément que quelque part, elle l'a un peu cherché en la guichant. En plus, autre chose qui n'arrange pas Artemisia, on considérait à cette époque-là qu'une femme non consentante d'un rapport sexuel devait se sentir tellement déshonorée qu'il ne lui restait plus aucun autre choix pour sauver son honneur que de se suicider. Pendant presque un an, Artemisia ne fait aucune tentative pour mettre fin à ses jours. Avec toutes les charges qui pèsent contre elle, ça va pas être facile de convaincre les juges. Heureusement, Artemisia est une femme non seulement forte, mais en plus très intelligente. Elle sait exactement ce que ces fameux juges attendent d'elle. Elle sait que pour les convaincre, elle doit se montrer devant le tribunal telle qu'on attend qu'une femme se comporte. C'est-à-dire qu'elle doit se montrer pieuse, pudique, naïve et surtout comme une toute petite chose fragile. En plus, les juges vont même jusqu'à éprouver la motivation d'Artemisia en lui infligeant des châtiments corporels pour l'inciter à retirer sa plainte. Mais non, Artemisia ne faiblit pas et refuse de retirer sa plainte malgré les sévices qu'elle subit. Notamment aux mains, elle qui est une artiste. Et ça marche. Artemisia gagne le procès, est innocentée et son agresseur est enfermé derrière les barreaux. Ouf. Hélas, même si Artemisia a officiellement gagné son procès, une femme qui n'est plus vierge à cette époque-là aura énormément de mal à trouver un mari. Et comme je le disais dans ma vidéo sur Trotula de Salerne, qui parlait de la condition de la femme au Moyen-Âge, une femme qui n'est pas sous la tutelle d'un homme ne peut pas subvenir à ses besoins. Il ne lui reste alors plus que deux choix pour assurer sa survie, le couvent ou la prostitution. Heureusement, Artemisia s'en sort encore une fois très bien et trouve à se marier à un homme qui, au début du moins, se montre extrêmement bienveillant envers elle. Il achète pour elle tout le matériel de peinture dont elle a besoin et la laisse exprimer son art librement. Bon après, faut se mettre à sa place, faut dire que lui, au final, ça l'arrange bien. Sa femme peint, travaille, expose et vend ses œuvres et c'est lui qui touche l'argent, vu qu'Artemisia n'a pas le droit d'être rémunérée pour la peinture. Mais heureusement quand même, Artemisia est tellement douée qu'elle se fait rapidement un nom dans le milieu de l'art. Beaucoup d'hommes sont impressionnés par son talent et demandent à ce qu'elle soit tout de même admise comme membre de l'Académie des Arts. Et c'est ce qui arriva enfin
En 1616, Artemisia est la première femme à y être admise et donc la première femme de l'histoire à être reconnue comme artiste. C'est un événement qui peut être qualifié, sans aucune exagération, de révolution. Artemisia est officiellement peintre. Elle peut enfin signer ses œuvres, peindre ce qu'elle veut, être rémunérée et acheter son matériel. Elle a les mêmes droits qu'un homme. Elle pourra vivre indépendamment d'un homme sans se prostituer ou aller frapper à la porte d'un couvent. Et Artemisia, elle va très vite profiter de ses nouveaux droits. Parce que son mari, lui, même s'il était sympa au début, il voit pas du tout d'un bon œil que sa femme soit maintenant artiste à part entière. Ça l'arrangeait bien d'avoir une femme qui travaillait et qui rapportait les sous à la maison, mais qui restait quand même dépendante de lui. Maintenant qu'elle n'est plus dépendante de lui, son mari, il fait la tronche. Et il devient littéralement odieux avec elle. Tellement odieux qu'Artemisia va pas s'embêter. Puisque maintenant elle en a le droit, elle le quitte et elle emporte avec elle ses filles. Elle s'établit alors successivement à Florence, à Venise, même à Londres et à Naples où elle finira ses jours en 1652. Finissons cette vidéo en parlant un peu de l'œuvre léguée par Artemisia. Elle peint souvent des scènes bibliques très violentes comme vous pouvez le voir. À l'époque où ces tableaux sont réalisés et présentés pour la première fois au public, on remarque très vite qu'Artemisia se peint elle-même dans le rôle de l'héroïne et on a tendance à trouver que le pauvre homme victime des violences des dames ressemble étrangement à l'homme qui a violé Artemisia dans sa jeunesse. Beaucoup de mauvaises langues aiment à dire que cette femme doit son talent au traumatisme causé par son agression et que finalement, dans un certain sens, elle devrait remercier son violeur car elle lui doit beaucoup de sa notoriété actuelle. Artemisia n'est certes pas la première à peindre ces scènes bibliques très brutales, mais les représentations qu'elle en fait sont particulièrement vivantes, expressives et comme habitées d'une âme vivante et tourmentée. Non, ce n'est pas le fait de subir un viol qui a fait d'Artemisia une femme forte. Elle l'était déjà avant. C'est justement cette force innée qui lui a donné l'énergie de se battre jusqu'au bout lors de son procès, de tenir tête à son agresseur, aux juges et aux candidatons de la populace qui jalousaient sa beauté, son talent et sa force de caractère, si rare à une époque où les conventions sociales et les traditions sont un carcan qui font obstacle au progrès et au bonheur de l'être humain. C'est finalement ça le pire crime qu'ait commis Artemisia. C'est le crime d'avoir revendiqué le droit de vivre heureux selon ses propres choix, et cela bien avant le siècle des Lumières. Ce n'est pas son agresseur en particulier qu'elle attaque à travers ses peintures. C'est tout un système pourri où, selon que vous naissez homme ou femme, vous aurez tous les droits ou alors vous n'en aurez aucun. Et si l'histoire d'Artemisia vous a intéressé, je vous conseille vivement cette BD. Elle est parfaitement bien écrite et résume parfaitement les points les plus importants de la vie et l'œuvre d'Artemisia Gentileschi.